Bonjour les amis, aujourd'hui on va explorer une forêt ensemble et pour seule lumière on aura... Ça ne marche pas. Bonjour les amis, aujourd'hui on va explorer une forêt et pour seul sens de lumière on aura... Une allumette. Dites-vous quand même que je prends des risques à faire ça, hein, parce que je vais cramer chez moi. Imaginez surtout mes parents quand je leur ai demandé des... Oh c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, j'arrête les conneries. Ça sent super bon, j'adore l'odeur des allumettes. Je sais pas vous, mais j'adore l'odeur des allumettes, c'est ouf hein. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Unforgiving Another... Bon, vous avez compris, c'est juste vos yeux. En gros, le jeu c'est quoi? On est dans une forêt avec des allumettes et on va devoir se balader alors que des trolls, des elfes, des fées, enfin toutes les créatures de la forêt un petit peu mystiques, tout ça, se baladent et on va devoir les éviter pour pouvoir faire je ne sais quoi, je ne sais pas trop quel est le but du jeu. On va découvrir ça ensemble, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Ok, et donc ça commence là, wow, d'accord, ok, donc à ce que j'ai compris avec les bruits que j'ai entendus au tout début, je crois que j'étais dans une rivière, voilà, et j'ai failli me noyer, apparemment, je suis arrivé ici, et on va devoir se balader à travers la forêt. Oh, ça a l'air très très joli, ça a l'air très, oh, c'est super joli, c'est super bien foutu, sérieux, wow, must find help, ok, donc on a trouvé de l'aide, wow, en tout cas, c'est juste ultra ultra joli. Alors, comment est-ce qu'on joue? C'est quoi les touches? Est-ce qu'on a déjà nos allumettes ou pas du tout? Parce que là, clairement, je connais pas du tout le jeu, c'est ultra sombre aussi, j'espère que vous y verrez quelque chose. Voilà, j'ai augmenté un petit peu la lumière, comme ça on va voir un petit peu plus de choses. Ce serait dommage quand même que vous voyez rien. Par contre, j'ai pas d'allumette, j'ai rien, j'ai que dalle, j'ai pas de lumière, sérieux. Bon bah écoutez, pour l'instant que dalle. En plus, notre téléphone est cassé, ce qui fout vraiment les boules, hein, clairement, on va pas se mentir. Là maintenant, et franchement, je suis pas rassuré parce qu'en vrai, on a aucune indication, on doit juste trouver de l'aide. Oh, écoutez. C'est un truc de ouf, on aurait trop dit qu'il était à côté de moi, putain c'est ouf. Ok, je vais pas avoir peur pour un moustique. Parce que si j'ai peur pour un moustique, laisse tomber pour la suite quoi. Oh, c'est quoi ces bruits? C'est quoi ces bruits? C'est horrible. Par contre, je sais pas du tout par où je dois aller. Hein. Clairement, j'y vais vraiment au pif, les amis. Hein. Vraiment, j'y vais au pif. J'espère que c'est la bonne direction. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur suivre la rivière, ok? On va longer la rivière. Comme ça, on est sûr que si on se plante, on saura d'où on vient. Ah ah, attendez, c'est quoi ça? C'est une maison. Bon, généralement, hein, il faut savoir que si vous vous perdez dans la forêt, n'allez jamais dans les maisons comme ça, toutes seules abandonnées. C'est pas un bon plan. Même si elles sont pas abandonnées, n'y allez pas quand même. C'est pas une bonne idée du tout. On sait jamais sur qui vous pouvez tomber. Et là, oh, là je vois de la lumière. Ah, là c'est intéressant. Auto interact, ok. Et là je peux prendre les fameuses allumettes. Super, ok. Donc ça c'est déjà un bon point, d'accord. C'est quoi, bouton gauche pour... Attendez, comment ça marche? Bon, je sais pas ce que j'ai fait mais je l'ai fait. Et du coup j'ai une petite allumette, ok. Oh, fais pas... Mais fais pas ça. Calme-toi, non putain. Ah, j'y attendais tellement pas, j'étais concentré sur l'allumette. Du coup par là-bas, mauvaise idée, donc on va pas aller par là-bas. On va faire le tour, est-ce que je peux courir avec l'allumette? Je peux courir avec l'allumette, c'est un bon point. Est-ce que je peux foutre le feu à la forêt? Je ne peux pas foutre le feu à la forêt. Ça aurait été une solution, hein. Et au moins on aurait eu match lumière au moins. En vrai, je suis vraiment, vraiment pas rassuré. Vous savez quoi, on va quand même se diriger vers les lumières, hein, puisque de toute façon, c'est ce que le jeu nous demande. Clairement, on doit aller vers la lumière. Et de toute façon, plus il y a de lumière, mieux c'est, on va pas se mentir. J'ai vu dans le trailer qu'il y avait des ogres, il y avait plein de créatures de la forêt. Du coup, j'angoisse un petit peu, je demande un petit peu comment ça va se passer. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Rien. Wow, je vais me cramer les mains là. Ok, je lâche. Et en fait, on va directement rallumer une allumette parce que c'est vraiment pas rassurant. Des rails, hein. Bah écoutez, on va suivre les rails. C'est une bonne idée, ça. J'entends des bruits tellement chelous, mais tellement chelous. Vous entendez ou pas? Comme si une grosse, grosse bestiole se baladait. Là-bas, il y a un point de lumière. Ok, on y va tout de suite. Mais non, je vais pas rentrer dans une mine quand même. C'est une blague. C'est une blague. Ah, mais je rentre pas là-dedans, moi. C'est mort, c'est mort. Pourquoi est-ce que je suis obligé de rentrer là-dedans? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de se... La musique. Il va y avoir un screamer. C'est toujours comme ça. À chaque fois, la musique monte, puis y a rien. Puis boum, y a un truc. Donc c'est sûr et certain qu'il va y avoir un truc. N'hésitez pas à vous réfugier en commentaire. De toute façon, moi je le fais aussi. Hein. Clairement, il y a pas de honte. Réfugiez-vous en commentaire. C'est vraiment le meilleur endroit pour avoir moins peur. Franchement, y a plus aucun son. Je suis tellement pas rassuré. Si la lumette, elle s'éteint. Un cul-de-sac. Non. Ah non, d'accord. Ok. On peut. Ok. On se calme. On peut quand même y aller. La lumette. Elle va bientôt s'éteindre. Ok. C'est la merde. Il y a plus aucune lumière. Attends, je reste éloigné au cas où, on sait jamais. On peut y aller, c'est bon. Quelle créature pourrait habiter dans une mine? Des gobelins, des... Je sais pas. C'est pas un troll, hein, c'est pas un troll qui va habiter là-dedans. Donc là, c'est des petits trucs, genre... Oh, intéressant ça. Oh, sympathique. Ouais, ce serait genre des gobelins, des petits... C'est quoi? C'est pas un gobelin, ça. Pourquoi il y a un truc à poil qui a couru devant ma... What the fuck? Il y a du sang. Quand il y a du sang, c'est pas bon. On court, on se barre d'ici. Cours, 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 cours
Mais mec, mais peut-être qu'ils ont peur de la lumière aussi. Tant que j'ai de la lumière, c'est bon, tu vois. Tant que j'ai de la lumière, je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Faut vraiment qu'on court. Faut vraiment qu'on se barre d'ici le plus vite possible. Parce que là, les mines, clairement, c'est vraiment pas le bon point. En plus, même les rochers me font peur. Je commence à avoir des frissons et tout. Là, je suis en PLS. Là, je commence. Là, la PLS commence à arriver. Pourtant, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Il y a eu que de petits trucs, de petits screamers. Même si on peut pas trop appeler ça un screamer. Un screamer, c'est plutôt quelque chose qui va me foutre en PLS, qui va me foutre les boules, clairement, on va pas se mentir. Genre ça. C'est pas un screamer, ce n'est pas un screamer. Ah j'ai... Ah, ça c'est un screamer ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, elle m'a mordu. Oh mon dieu. Parce que d'habitude, voir une femme comme ça, ça me dérangerait pas. Je veux dire, c'est pas moi qui va rechigner. Mais elle, non, clairement pas. Par contre, elle m'a mordu. Alors, est-ce que je vais me transformer? Est-ce qu'elle m'a fait quelque chose? C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Oh là 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 là, on est en train de m'observer. On est... Attends, les arbres, là, ils sont vivants. Ah, ok, on se bat. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais c'est vraiment, vraiment bizarre. Est-ce que je vais me transformer en arbre, moi aussi? Elle m'a mordu, je vais me transformer en arbre. En vrai, j'espère qu'ils vont pas bouger, j'espère qu'ils vont rester plantés là. Parce que c'est des arbres, du coup. Ne blesse pas ma mère. Ah, mais je veux blesser personne. Je ne veux blesser personne, ça tombe bien. Je veux juste rentrer chez moi. C'est, tu vois, ça tombe bien, quand même. Ok, alors là, par contre, ça pue la merde. Vraiment. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de passer, meuf. J'ai envie de passer. Alors, laisse-moi juste passer. Je fais rien, vraiment. Je passe juste... Non, je peux pas. Tu m'excuseras, mais je vais juste cramer ton enfant, hein. Je crame juste ton bébé et je passe. Mais c'est vraiment pas contre toi, hein. C'est vraiment pas contre toi. Mais j'ai pas le choix. C'est bon, ça va. Je pense que là, on va m'en vouloir, hein. Je pense que clairement, là, on risque de m'en vouloir. On risque de pas le prendre très bien. Bon, on est de nouveau parti et je pense, voilà, qu'on arrive enfin à la fin de cette foutue mine ou je sais pas trop quoi. Et on retourne dans la forêt. Ok, franchement, quoi qu'on en dise, je pense que la forêt est limite un petit peu plus rassurante que les mines. Hein. Franchement, je vais pas vous cacher que je me sens un petit peu mieux dans la forêt que dans la mine. Oh là là, attendez, vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vu? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mon gars? C'est un titan Shingeki no Kyojin comme ça. Les mecs, ils préviennent pas. Alors, eux, par contre, j'ai vraiment, vraiment pas envie de les énerver. Je continue quand même à suivre les rails. Hein. De toute façon, je vois pas où est-ce que je pourrais aller d'autre. Du coup, je continue à suivre les rails en espérant que ça m'amène à destination. Je pense que la destination finale, je pense, et je parle pas du film, hein, parce que là, clairement, non, pas dans cette situation. Je pense que notre objectif, c'est de rejoindre la maison qu'on a vue au-delà du pont. Et j'ai bien l'impression, d'ailleurs, qu'on y est presque. Eh bien, on y est carrément, ok, on y est. Putain, belle petite maison en plus, hein. Alors, est-ce que c'est la fin du jeu? Est-ce que c'est là où on devait aller? C'est une bonne question. Déjà, il y a des gens qui habitent ici parce qu'il y a du petit courrier et tout. Je sais pas ce que vient foutre le facteur là, mais écoutez, il y a quelqu'un. Rune Svensson et Erik Anderson. Ok, les amis. Vous êtes prêts à ouvrir la porte ou pas? Là, on va pas se mentir, il y a 50% d'entre vous qui viennent de baisser le son de la vidéo. Et les 50 d'autres qui viennent d'enlever les écouteurs. C'est parti. Y'a rien qui se passe? C'est pas bon quand y a rien qui se passe. Ah d'accord, ok, d'accord, il faut que je tire. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais mec, s'il te plaît, ça m'a l'air sympa ici, franchement ça m'a l'air plutôt cool. On a quoi ici? Qu'est-ce que c'est que... Mais mec, mais non. Par contre, ferme la porte, on sait jamais, on ferme la porte. Non, tu veux pas fermer la porte? Voilà, ferme la porte, on sait jamais. On va ouvrir cette porte là. Oh! Fermez pas les portes comme ça! Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? What the fuck? Ah d'accord, ok, donc... Ah d'accord. Ok, Ah oui, d'accord. Ok. Oh mon dieu, mais mec, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mec, tu t'es fait, bah c'est même plus faire manger là, gros, tu t'es fait déglinguer. Et c'est le troll tout à l'heure, vous pensez? Wouah. Ok, donc autant le jeu fait plutôt peur, on va pas se mentir, hein, il fait plutôt peur. Autant, franchement, je le trouve vraiment grave cool. Du coup, on va continuer notre petit chemin dans cette forêt. On va voir un petit peu ce qui se passe. Le coup des éclairs, par contre, je suis pas rassuré. Je déteste l'orage, je déteste les éclairs. Mais on continue et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Oh là 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 là. Attends, c'est encore Bobby qui se fait manger. Bobby, il était censé être mort là. Bobby, il était censé être en PLS là. Il pleut. Non, il pleut. Est-ce que ça veut dire que mes allumettes vont s'éteindre ou pas? Non, ça va, ok. C'est une allumette... c'est la flamme divine. Elle est impossible de l'éteindre. Impossible, ok. 12 seconds later. Ah d'accord, si, ça c'est un, d'accord. Pas de flamme divine. Oh, le coup des éclairs, il va y avoir un truc qui va apparaître d'un coup. Avec un éclair, ça va pas être ça. On se bat. Il nous suit. Oh putain, on court pas assez vite. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cours plus vite, je t'en supplie. Il va te dévorer la gueule. Il va te manger les cheveux. Dépêche-toi. Mec, on est en train de le semer. Là. C'est quoi ça? C'est quoi cette connerie? Pourquoi tu fais du violon ici, toi? Oh mon dieu. Il lui manque un bras? Oh mon dieu. Même lui, il a peur. Oh, c'est pas bon ça. Ça veut dire que c'est encore pire que... Oh mon dieu.
C'est horrible. Et c'est comme ça que le jeu se termine. Thank you for playing. Ok, mais franchement, c'était vraiment super cool. J'ai adoré le jeu. Franchement, je l'ai trouvé juste ultra sympa. Je sais vraiment pas ce que vous en avez pensé, les amis, mais moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il faisait peur, il était magnifique. Et c'est vraiment un travail de fou des personnes, donc Angry Demon Studio. C'est une démo, donc j'espère que le jeu complet sortira. Vraiment, s'il y a un jeu complet qui sort à l'occasion, on le fera avec grand plaisir. C'était génial, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à défoncer d'avoir des pouces bleus et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Autant les jeux d'horreur, à chaque fois, ça met dans tous mes états. Je suis vraiment pas bien, je suis vraiment en panique. Mais franchement, ça procure une sensation qui est vraiment super cool. Du coup, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora. Ciao, ciao tout le monde.